Ambassadeur Antoine Affray, bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui dans l'avion de Ryanair. Parlez-moi de ce que vous avez ressenti pour la première fois que vous avez vu l'avion du Rwanda ici à Paris. Écoutez Karima, bonjour et merci pour cette question. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'en fait, quand on est ambassadeur de France à l'étranger, il y a deux catégories d'ambassadeurs. Il y a les ambassadeurs qui sont dans des pays avec une liaison directe avec Paris, puis il y a les ambassadeurs qui sont dans des pays sans liaison directe avec Paris. Et là, maintenant, le Rwanda, hein, qui jusque-là appartenait à la première catégorie, appartient à la seconde, mais à la seconde, c'est les meilleurs. C'est ceux qui permettent d'aller directement de la capitale de leur pays de résidence, en l'occurrence Kigali, jusqu'à Paris. Donc ce vol, effectivement, avec trois liaisons hebdomadaires, c'est un grand plus pour la relation bilatérale. C'est-à-dire que ça permettra à la fois aux touristes, aux hommes d'affaires, aux Rwandais de la diaspora, aux Rwandais du Rwanda qui ont les moyens de venir en Europe, de pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions. Et je pense que c'est aussi finalement le résultat de cette réconciliation entre nos deux pays. Vous savez que l'histoire a été douloureuse, il y a eu des moments très difficiles. Le président Macron a fait ce qu'il fallait pour pouvoir normaliser la relation. Et finalement, ce vol donc, d'aujourd'hui, hein, c'était ce matin, hein, l'arrivée à Roissy, c'est la concrétisation de cette nouvelle politique. Et c'est ce qui permet effectivement à l'ambassadeur que je suis de passer dans la catégorie des ambassadeurs où il y a un vol direct entre la capitale où ils sont accrédités et la capitale du pays qui les accrédite, c'est-à-dire Paris. Pour vous, quand on voit cette... échange bilatéral au niveau économique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la politique franco-rwandaise aujourd'hui? Alors déjà, sur le point économique, c'est assez intéressant. C'est une coïncidence, mais souvent dans la vie, il n'y a pas de hasard complet. Il faut savoir qu'actuellement, là, à Kigali, hier et aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle le Rwanda EU Business Forum. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un forum pour les entreprises européennes désireuses d'investir ou de commercer, enfin d'intervenir au Rwanda. Et il faut savoir que la délégation la plus importante d'entreprises venues d'Europe, c'était des entreprises françaises, on en avait 45. Donc c'est une illustration de l'intérêt des entreprises françaises pour le Rwanda. Par ailleurs, il y a eu aussi quelque chose d'important qui a été signé, donc ça c'était la semaine dernière, en marge du sommet pour le nouveau pacte financier mondial. Il y a un accord de non-double imposition, enfin autrement il y a une convention fiscale, mais le cœur de la chose, c'est la non-double imposition, qui a été signée entre la France et le Rwanda. Hein, donc par le ministre rwandais des Finances, Suzy Ndagijimana, et notre secrétaire d'État chargé des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Et il faut savoir que cet accord a fait l'objet de négociations entre Bercy, donc le ministère français des Finances, et son équivalent rwandais, le Minecofin. Et c'est quelque chose effectivement qui va aussi être très favorable à l'investissement des entreprises françaises au Rwanda et à terme aussi, parce que c'est ce qu'on espère, des entreprises rwandaises en France. Pour terminer, Rwandair à Paris, une phrase. Bah écoutez, Rwandair à Paris, je pense que c'est Rwandair dans le plus gros hub européen. Alors il y a Londres, mais sauf que Londres, c'est plus l'Europe puisqu'ils ont quitté l'Union européenne. Et donc je pense que c'est une opportunité unique pour les Rwandais, pour les Français et pour Rwandair. Merci, Son Excellence. Je vous en prie.